C'est lourd ces pédalboards là. Bon ben je vais vous parler de tout ça. Ah, je suis essoufflé. Ma maman là, je peux pas te répondre. Je suis en train de devenir youtubeur. Je fais une vidéo, ouais. Une vidéo pour. Ça y est, ma sœur! Oui, allô? Oui. Oui, Firemaster, comment vas-tu? Ça va, Firemaster? Oui, je sais, il y a le Covid Bowie, là, en ce moment, ouais. Eh ben, oui, moi, je vais te faire un Master Home. Un Master Home, oui, c'est bien. Oui, tu vas voir, c'est génial, Firemaster. Firemaster! Je vais vous faire une vidéo dithyrambique sur l'usage des effets en milieu domestique. Oui, non, pas de souci, ça, y a pas de problème. Hein. Justement, je vais en profiter pour vous faire voir des choses qu'on n'emmène pas en tournée, genre des effets secrets. Firemaster. Bonjour à tous les amis de Firemaster. Firemaster, qu'est-ce que c'est? C'est un maître qui a pris feu. Un masterclass, qu'est-ce que c'est? C'est un maître qui donne une classe. Master Home, qu'est-ce que c'est? C'est un masterclass à la maison. C'est-à-dire, tu fais voir des choses qui n'existent que dans ta maison. Que tu ne fais pas voir aux gens à l'extérieur. Ils ne sont pas prêts. Ils ont peur. Je vais vous parler des effets que j'adore. On est toujours un peu limité au niveau de la taille des pédalboards. Et le problème, imaginons, même si on n'était pas limité, vous prenez un pédalboard, vous mettez 30 pédales dessus, c'est un petit peu trop lourd. Ah, j'ai même pas un médiateur. Je vais vous faire voir des choses que j'utilise à la maison et que je n'ai jamais fait voir à personne. Ah, un poney qui est tombé. C'est un truc qui se fait à la maison avec ses amis secrets, des amis inavoués, des pédales qui restent au chaud et qui ne sont jamais mis dans la lumière. Dans cette Master Home, qui aime les guillemets, je vais montrer des choses que j'utilise à la maison pour m'amuser et aussi que j'utilise lors de mes imponisations. Tu te calmes, toi? Qu'est-ce qu'une imponisation? Une imponisation, c'est une improvisation en une prise et total impro. Bah oui. Et oui, je le sais qu'il y a le Covid. Et je voudrais tout d'abord remercier nos amis de Firemaster de m'avoir demandé de participer à cette aventure. Firemaster. Les amis, nous voilà enfin réunis pour parler d'une chose très importante. Kawami. Il est où mon pinceau? Donc le plus important, quand vous faites une vidéo sur les effets, c'est de prendre le temps d'acheter un petit pinceau comme ça, d'enlever la poussière. La poussière qui s'installe sur ces pédales. On va parler de la Whammy. La Whammy, une de mes pédales préférées. Sans cette pédale, ma vie ne serait pas la même. Comment vous dire, la musique ne serait pas la même. Qui n'a jamais écouté Rage Against the Machine? Qui n'a jamais écouté Jennifer Batten, la guitariste de Michael Jackson, Steve Vai? Eh oui, eh oui. Donc moi, avec cette pédale, je modifie vraiment le son de ma guitare. Avec cette pédale, en fait, j'arrive à changer la hauteur de ma note grâce à mon pied. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours que cette pédale... Ah, il y a encore un peu de poussière, là. Cette pédale, c'est vraiment un instrument de musique. Ajoutez à votre instrument de musique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Whammy Digitech.
voyez ce que je veux dire? Eh bien, le premier exemple, la note, elle va monter d'une octave. C'est-à-dire, par exemple, vous jouez un Do, et en appuyant sur la pédale, vous montez d'une octave. Vous montez sur la même note, mais qui est plus aiguë. Ensuite, on peut, grâce à cette pédale, monter de 2 octaves. Donc là, en fait, on a un petit bouton qu'on tourne et ça permet de changer le preset. Donc il y a plein de presets, hein. Il y a 2 octaves, 1 octave au-dessus, 1/4 au-dessus, 1/4 au-dessus. Ah, je vois déjà qu'il y en a qui s'inquiètent. De quoi il parle, là, le Kermit ? Je parle des intervalles. Les intervalles, c'est la distance entre 2 notes, entre Do et Do. C'est 1 octave. Quand on parle d'une quinte, c'est une note qui est 3,5 tons au-dessus. Bon, là, c'est des cours d'harmonie. Bon, moi, là, je suis pas venu pour ça. Hein. On va parler de ça. Il y a plein de différents réglages. Hein. On peut monter d'une quarte au-dessus. On peut descendre d'une quarte, d'une quinte, d'une octave, de 2 octaves et ainsi de suite. Donc, je vais vous faire quelques petits exemples de ce que moi, je préfère utiliser. Et donc là, on va maintenant faire avec 2 octaves au-dessus. Donc vous voyez là déjà, c'est assez aigu, tous les chats du quartier ils sont partis, ça pique. Donc moi cette pédale là, donc il y a différents modèles hein, de Whammy, hein, donc il y a ça c'est la Whammy d'été. Il y a la Whammy d'hiver, mais là vu qu'on est au printemps, on ne sait plus trop laquelle il faut prendre. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle Whammy. Hein. Ce qui change, c'est par exemple si vous prenez les vieilles Whammy qui étaient utilisées à l'époque par Tom Morello dans Rage Against the Machine. Ces Whammy ne sont pas polyphoniques. Alors qu'est-ce que ça veut dire polyphonique? Ça ne veut pas dire polyphonique, mais polyphonique. Ça veut dire que la Whammy peut gérer plusieurs notes en même temps. C'est-à-dire elle peut monter les notes en accord. Et ça, les premières Whammy ne le faisaient pas. Écoutez, réécoutez Pantera. Il y a des morceaux de Pantera où on entend la Whammy, où quand il fait sur plusieurs notes, ça fait une sorte de bruit parasite. C'est pas très beau, mais en fait, c'est très beau. C'est pour ça qu'on aime la Whammy. Cette Whammy, elle est polyphonique. Je vais sortir la deuxième. Des Whammy, il y en a différents types. Hein. Il y a la Whammy rouge et la Whammy bleue. Alors, je ne sais pas laquelle vous préférez, parce que, hein, on va se le dire, hein, ce qui est le plus important avec une pédale, c'est pas le son, c'est la couleur. Parce que ça change la couleur de ton instrument, la pédale. J'aime bien utiliser 2 Whammy en même temps. Déjà, pourquoi? Vous allez voir, là, sur mon pedalboard, il y a les 2 Whammy en même temps. Comme ça me permet d'avoir 2 réglages en même temps. Moi, j'improvise beaucoup avec la guitare. Et donc, vu que j'improvise beaucoup, je peux avoir envie d'un seul coup de jouer 2 octaves en dessous ou 2 octaves au-dessus, ainsi de suite. Ça me permet de pré-régler les 2 Whammy, l'une à côté de l'autre. Ça, c'est un des trucs, une de mes particularités. Il y a un de mes morceaux qui s'appelle Whammy Nova. Et dans ce morceau, j'utilise 2 Whammy. J'ai une Whammy qui est bloqué 1 octave au-dessus, et avec l'autre, ça me permet de monter encore 1 octave au-dessus. Je cumule les Whammy.
Pour ceux qui voudraient entendre des morceaux, où là vous m'avez utilisé des morceaux qui moi, je pense, m'ont influencé, je vous conseillerais d'écouter un morceau de Steve Vai sur l'album Fire Garden, un album des années 98. Par contre, je me rappelle pas trop du titre. Et, c'est le songbook de l'album, Steve Vai, Fire Garden. Donc ça s'appelle The Mysterious Murder of Christian Terrias Lover. C'est quoi ce titre? Moi là, je savais pas qu'il y avait un titre aussi long pour un morceau aussi court. Moi, c'est un des morceaux qui m'a donné envie de jouer de la whammy. Et aussi, je vous conseille d'écouter un morceau de Jennifer Batten qui est sur son premier album. Et le morceau s'appelle Cat Fight. Et avec la whammy qui monte dans les aigus comme ça, elle imite le son d'un combat de chat. Vous entendez là? Voilà, c'est exactement ça. Je vous conseille franchement d'écouter au moins ces deux morceaux et ça permet d'entendre des utilisations justement différentes de la whammy. Oh, je vais enlever le pedalboard. Oh, j'enlève le pedalboard, il prend trop de place. Ah, voilà, c'est mieux. Je remets lui là. Hein. Il est bien. Avec. Je savais que j'allais faire des rots. Ah, je bois un peu de café. Alors maintenant, on va écouter la whammy une octave en dessous. Donc là, on va descendre, on va creuser. Et vous allez voir, moi, ce que j'adore faire avec l'octave en dessous, c'est surtout imiter le vibrato. Même si là, je joue avec une guitare avec un vibrato, je fais exprès de vous montrer l'utilité et ce que j'arrive à faire sans le vibrato, c'est-à-dire avec mon billet. Et donc, j'adore faire des effets justement à la Steve Vai ou à la Jimi Hendrix, juste avec le pied. C'est une pédale que je conseille à tous ceux qui ont des guitares sans vibrato et qui aimeraient rajouter des fioritures à leur jeu. Faire des trucs un peu foufou pour un peu sortir du contexte. Maintenant, on va descendre deux octaves en dessous. Donc là, ça commence à devenir très gras, très bas, et en vous remerciant. Alors sur les whammy, à chaque fois, il y a un truc qui s'appelle dive bomb. Alors dive bomb, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est le truc, vous prenez votre tige de vibrato, vous détendez les cordes complètement. Donc vos cordes, elles sont toutes, on dirait, des spaghettis. En fait, le dive bomb, c'est fait pour imiter justement ce truc. Et comme ça, vous ne cassez pas les cordes de guitare. On descend trois octaves en dessous. Donc là, si vous êtes sur les cordes graves, d'un seul coup, on n'entend presque plus rien. Mais ça permet de faire justement des super effets. Et là, encore une fois, d'imiter vraiment le son du vibrato du Floyd Rose.
Vous savez, le Floyd Rose, c'est ce vibrato où les cordes, il y a un bloc corde en haut du sillet et ça permet de que la guitare reste accordée. Donc maintenant, le dive bomb. Un autre truc intéressant sur les whammy, c'est il y a un petit côté harmoniseur. Là, il y a le côté whammy, c'est-à-dire là on change la hauteur des notes, et là le côté harmoniseur. Harmoniseur, c'est-à-dire vous allez jouer une note et il va y en avoir une deuxième en même temps. Donc on harmonise la note de départ. Donc c'est pas un harmoniseur, c'est un, même si c'est marqué harmonie dessus, c'est un pitch shifter. Un pitch shifter, c'est un truc simple, c'est-à-dire que quand la machine vous dit c'est genre une quinte au-dessus, c'est tout le temps une quinte, il n'y a pas de quinte diminuée, de trucs comme ça. On peut trouver des pédales qui s'appellent des octaveurs qui permettent de faire ça, mais on a des notes juste à l'octave. Là, avec la whammy, on se retrouve avec plein de réglages. Donc là, je vais déjà vous faire entendre comment ça sonne sans la pédale et avec la pédale, avec l'octave en dessous rajoutée. Vous allez voir, ça gonfle vraiment le son, ça permet de faire des trucs de ouf. Le côté harmoniseur, il y a un réglage que je trouve super, c'est le réglage qu'on joue avec une quinte au-dessus. Et vous jouez votre note et en même temps vous avez la quinte. C'est-à-dire la quinte, c'est la note qu'on a toujours dans les accords de puissance. Donc en fait, ça vous permet de faire comme si vous jouiez un accord, mais en fait vous jouez une note. Et donc ça permet justement de trouver des riffs, de composer des riffs que vous n'auriez pas trouvé si vous étiez obligé de déplacer votre main qui est prise au piège dans la forme de l'accord de puissance. Vous voyez cette forme là, comme ça, que tous les hard rockers métalleux font. Vous avez une liberté que vous n'avez pas quand vous êtes pris au piège de cette position d'accord de puissance. Regardez, vous allez voir. Sur le côté harmoniseur aussi, donc on peut se retrouver, il y a des quartes, des quintes, mais aussi il y a des trucs très bizarres, comme les septièmes, les sixtes, et les tierces, et les secondes. Alors quand on se retrouve à jouer avec ces deux notes en même temps, c'est-à-dire par exemple, votre note de départ plus une seconde au-dessus, ça sonne très bizarre. Je vais vous faire entendre ça tout de suite. Et imaginez si Slash avait utilisé ça. J'ai deux whammy sur mon pedalboard, c'est parce que celle-là, c'est une whammy pour basse. Alors, à mon oreille, elle sonne exactement
comme la Wamii pour guitare. Mais ce que je trouve vachement intéressant avec, donc on va l'appeler la Wamii bleue, hein. Donc c'est la Wamii pour basse, hein, c'est écrit, hein, basse Wamii, hein, je sais pas si... Et vous voyez là, basse Wamii. Et en fait, moi ce que j'aime bien dans, avec la basse Wamii, c'est qu'on se retrouve avec quelques réglages qu'on n'a pas sur la Wamii rouge pour la guitare. C'est-à-dire sur celle-là, donc on peut monter deux octaves au-dessus, une octave au-dessus, une quinte, une quarte, et on peut monter un ton au-dessus, c'est-à-dire deux demi-tons, c'est-à-dire un peu comme quand vous faites un bend. Et ça, il n'y a pas sur la Wamii rouge. J'ai jamais compris pourquoi. Parce que ça permet de faire des super effets que je vais vous montrer tout de suite. Je trouve que ce réglage d'un ton, il est vraiment intéressant pour la guitare parce que ça permet vraiment de simuler le bend. Et donc vous pouvez vous amuser à faire un bend d'un ton et après de remonter encore d'un ton. Et pareil, si vous avez un jeu très pentatonique, tous les endroits où il y a un ton entre les notes, et ben vous pouvez remplacer le déplacement de doigt par un petit coup de pédale. Bon, maintenant on va laisser un peu les Wamii de côté. Regardez, on dirait un peu des petites voitures. J'adore les pédales. On s'amuse bien avec les pédales, hein, licorne. Bon, un peu de sérieux quand même. Il y a des adultes qui regardent. Je vais vous parler de... Vous voyez ce que c'est qu'une wah-wah ? Cet effet beaucoup utilisé par Kirk Hammett dans Metallica. Pourquoi ça fait ce son-là ? Tout le monde a écouté le solo de Enter Sandman de Metallica ou de Wherever I May Roam. Où Kirk s'en donne à cœur joie. Et bien moi, je ne vais pas vous parler de la wah-wah, parce que la wah-wah, il y en a plein des wah-wah. Là, ça c'est une Crybaby, ça c'est une Bad Horses de chez Morley. Morley, peut-être on dit en anglais, je ne sais pas. Et en fait, moi je vais vous parler d'un autre effet, c'est l'Otowa. Alors l'Otowa, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un de mes effets préférés avec la Wamii. C'est comme une wah-wah. Alors il y a pareil, hein, comme les wah-wah, il y a différents modèles. Hein. Là, c'est une Dan Electro, ça c'est une Guyatone. Ah, ça c'est la toute première que j'ai eue, la Mini Cutron de chez Electro Harmonix. J'ai celle-là aussi, ça, donc c'est une pédale Boss, une très vieille pédale Boss, la Chiwa. L'Otowa, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une pédale qui fait un effet de wah-wah, mais sans pédale d'expression. Le wah-wah, il apparaît grâce au changement de dynamique que vous donnez avec vos coups de médiator. C'est-à-dire, quand vous n'attaquez pas fort, c'est comme si votre wah-wah, elle était dans les graves, et dès que vous attaquez fort, hop, on passe dans les aigus. À la seule différence, c'est que là, vous ne le faites pas avec votre pied, mais vous le faites vraiment avec la dynamique de votre médiator. Je dis avec le médiator, ceux qui jouent au doigt, hein, c'est aussi la même chose. Moi, ce que j'aime avec l'Otowa, c'est que ça suit vraiment rythmiquement ce que vous jouez sur l'instrument. Et je me rappelle, hein, donc cette première que j'ai achetée à un pote qui s'appelle donc la Mini Cutron. Je me rappelle, hein, il me la prête.
Et en fait, j'ai composé un de mes morceaux tout de suite avec le morceau qui s'appelle Black Stairs, qui est sur mon premier album. Et en fait, le morceau, que quand vous l'écoutez sur mon premier album, je l'ai enregistré le soir même où mon pote m'a prêté cette pédale. Et je l'ai enregistré et composé le soir même, en fait. Ce qui est bien, c'est que ce morceau, il est très rapide. Le tempo, il est à, je crois, il est à 182. Donc c'est un morceau très rapide, je joue des doubles croches. Et le problème, si j'avais voulu suivre avec la wah-wah une vitesse rapide comme ça de double croche, et ben ça aurait été très 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 compliqué pour mon mollet, ma jambe et puis aussi pour mon cerveau. C'est ça que j'aime vraiment chez l'Ottawa, c'est que ça permet de jouer des choses qu'on ne peut pas jouer avec une wah-wah. Et il y a un autre type d'Ottawa, je ne l'utilise pas celui-là, c'est une wah-wah qui fait tout en wah-wah, wah-wah, un rythme défini. Donc ça, c'est encore un autre truc. Mais moi, vraiment, l'Ottawa, celle qui réagit en fonction de votre dynamique de jeu, c'est vraiment, oh, celle-là, elle est magique. Moi, je ne pourrais pas vivre, déjà, je ne pourrais pas vivre sans Wami, mais encore moins sans Ottawa. Et je vais vous faire voir là, donc au début vous allez voir, hein, je gratte doucement, c'est comme si ma wah-wah elle était dans les graves, et dès que j'attaque fort, hop, ça monte dans les aigus. Alors j'en vois déjà qui vont dire, mais pourquoi autant de pédales? Pourquoi t'as autant de pédales, Kermit? En fait, moi ce que j'aime bien avec les pédales, c'est que chaque pédale a un son différent, en fait. Même si c'est le même effet, il n'y a jamais le même grain. Il y a toujours des petites différences. Donc en fait, moi ce que j'adore, c'est que ça permet de sculpter mon son de guitare, en fait. Et un peu de sortir justement du son de guitare qu'on peut entendre un peu partout. Donc vous voyez, avec l'Ottawa, on peut vraiment sculpter le son. Et dites-vous bien que ça permet justement d'avoir une identité sonore un peu différente de la wah-wah. Et ça ne sonne vraiment, je trouve, pas pareil que la wah-wah. Et en plus, selon le modèle de l'Ottawa, pareil, ça n'a rien à voir, quoi. En vous remerciant.